بطولة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لكرة القدم، حدث رياضي بارز دأب على انتظارها الجمهور الكروي في قطر والعالم. نجاح هذه البطولة يسهر عليه الكثير من جنود الخفاء، كل من موقعه. النقل التلفزيوني للبطولة جزء مهم في هذه التظاهرة، مهمة ليست بالأمر السهل، فهي تتطلب طاقماً يعزف الإبداع تحت قيادة مايسترو محترف يقود ويوجه ويتفنن في تقديم المحتوى الجيد. خلف الكاميرا ينقل لكم قصصاً لمخرجين اشتغلوا على البطولة وتركوا بصمة في احتفالاتها الختامية. J'ai eu la chance de faire 2014 et 2018. Et 2014, c'était exceptionnel d'abord parce que c'était la première. Quand tu es là au Qatar depuis deux ans uniquement et que le directeur général vient te voir et dit bah, écoute, voilà, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de nouvelles images. C'était un honneur pour moi donc, de le faire en 2014. Nouvelles images, on a essayé de faire venir un cable cam de la tour de la. La Spire qui descendait dans le stade, c'était extraordinaire. Et puis on avait décidé aussi de mettre des caméras dans le public. Parce que un événement, c'est avant tout aussi les personnes qui sont là, hein, le public, les joueurs, Son Altesse, le prince l'émir du Qatar. C'était un très très bon souvenir. Surtout que je pense que c'était la première de Cheikh Al-Tamim, l'émir. Donc c'était. C'est un très très bon souvenir 2014. Puis 2018 parce que ben, c'est la dernière et que forcément on évolue. Donc voilà, c'était un très bon souvenir. L'événement, c'est. C'est l'ambiance, c'est le concept. D'abord, il faut deux équipes. On a eu la chance d'avoir deux équipes chaque année qui étaient les deux équipes au top du moment. On a la chance d'être dans un superbe stade. On a la chance d'avoir du public. On a la chance d'avoir Son Altesse l'émir du Qatar qui vient. Tout ça fait que cet événement, il y a une passion autour de cet événement qui se crée. Ça, c'est le plus gros souvenir, c'est le meilleur souvenir. Et puis le public, parce que je me rappelle les premières années, en 2014, quand on a mis une caméra dans le public pour vivre ce que réellement le public vivait, j'ai eu des réactions et des émotions extraordinaires. Quand t'as une frappe d'un joueur et que t'as le visage d'un gosse qui a les yeux émerveillés, qui se met à la place du joueur, toute cette communication, cette ambiance, c'est merveilleux. Les anecdotes précises, c'est les yeux de ses supporters et de ses enfants et de voir en plus aussi que le stade était rempli de toutes les personnes qu'il peut y avoir au Qatar. Bah, l'équipe technique, c'est qu'ils ont fait un boulot énorme. C'est un boulot de préparation extraordinaire. C'est un boulot où tu comptes pas ta journée. Tu fais des journées de 12 heures, de 15 heures. Que ce soit du premier assistant qui va tirer le câble jusqu'au réalisateur qui va appuyer sur le bouton. C'est une équipe. En fait, ce qui est magique, c'est que tu as un événement dans un stade que 40 000 personnes ont le plaisir de voir. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas pu acheter leur place. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas venir au stade. Et toi, te dire que tu es responsable de donner aux gens à l'extérieur du stade les images de l'événement qui se passe à l'intérieur du stade. Il faut que tu arrives à raconter ton histoire et l'histoire qui se passe avec de l'émotion. Mais tu es obligé de suivre cette histoire. Tu ne peux pas créer ton histoire. Tu es obligé de la suivre. Tu vois? Et je pense que c'est...
par rapport à l'équipe, c'est ça qui est le plus beau, c'est pouvoir faire une osmose de cette équipe, pour pouvoir donner le message de l'événement à tous les gens qui ne peuvent pas venir. C'est une sacrée responsabilité. Tous les réalisateurs ont leur touche. Maintenant, moi, je pars du principe que dans chaque équipe, tout le monde connaît son job. Je ne vais pas faire un grand speech en expliquant à la caméraman quel est son job. Il sait le job qu'il a à faire. Moi, ce que je veux, ce que j'essaie de transmettre aux gens qui travaillent avec moi, c'est qu'on est là pour raconter une histoire, tous ensemble. On est là pour expliquer aux gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui sont dehors, quelle est l'histoire qui se passe maintenant. Donc, tu peux avoir des moments extraordinaires, mais on ne peut pas tout faire voir, c'est pas possible. Donc on doit être logique dans une certaine histoire. Donc pour moi, pour que le caméraman puisse donner le maximum de lui-même, on travaille dans le calme. On travaille dans le calme et je lui fais confiance. Je lui dis, tu es sur le terrain, tu vois beaucoup mieux les images que moi. Donne-moi ce que tu as envie de faire voir aux gens. Bien sûr, j'ai un guideline par rapport à certaines positions qui sont très importantes pour me donner les plans que je veux, mais avant tout, la personne aussi est libre de temps en temps de me montrer quelque chose qui, bah, pour lui, est important dans l'histoire qu'on essaye tous ensemble de raconter. Et à chaque événement, il y a forcément des imprévus. Et je me rappelle en 2014, une heure avant le coup d'envoi, tout est prêt, pas de soucis. Et puis, le directeur technique arrive et on me dit, Vincent, on a réussi à avoir des mini-cams dans les buts. Ultra, c'est-à-dire à 1000 images seconde. J'étais même pas au courant qu'on avait demandé ça. Je ne l'avais pas demandé. Le directeur technique avait eu la chance, par une boîte allemande, de recevoir un peu en exclusivité ses premières caméras. Et là, il me dit, il faut qu'on s'en serve. Bah, attends, à une heure du coup d'envoi. D'abord, il faut les fixer, il faut les câbles pour les ramener, il faut un opérateur qui s'en occupe. Bah, encore une fois, la magie du Mirkup a fait que dans les 30 minutes, on a réussi à mettre ses caméras et je me rappelle, le premier ralenti qu'on a mis en 2014, c'est sur un pénalty. Et les gens ont vu pour la première fois une image qui tournait à 1000 images seconde, enfin une caméra qui travaillait à 1000 images seconde sur un pénalty qui donnait un super ralenti. Ça, c'est un très beau souvenir. Il faut dire d'abord, c'est qu'Alcas a toujours été un peu à la pointe, si tu veux, de la technologie. Maintenant, on a changé avec de nouvelles caméras qui ont beaucoup plus de détails, beaucoup plus de piquets. C'est la qualité de l'image, je pense, qui a changé. Et puis, on a fait un pas dans le virtuel. Le graphique, maintenant, est très important. Le graphique virtuel, la possibilité de pouvoir offrir un ralenti sur un but avec, si tu veux, un changement d'axe. C'est ce que j'ai fait en 2018, par exemple. Voilà, je pense que le graphique et le virtuel et la qualité des caméras maintenant, c'est ce qui fait la différence entre 2014 et 2018. D'abord, quand tu es réalisateur, tu ne suis pas le match, tu le vis. Donc, ce qui est très important pour nous, c'est de le revoir après, comme un téléspectateur. Parce que quand tu le vis, tu ne peux pas le suivre comme un téléspectateur, c'est pas possible.
l'organisation de la Coupe de Lumière, elle se fera naturellement d'abord par le spectacle, par l'événement, par le public, par la création de nouveaux stades au Qatar. Ce qui est merveilleux, c'est que le Qatar va pouvoir profiter de la Coupe du Monde pour pouvoir avoir des super stades. L'évolution, elle va se faire naturellement. C'est toujours très difficile de voir et de se projeter, de voir des images dans 10 ans. Je pense que c'est ce qui est beau aussi dans ces événements et dans l'évolution, c'est d'avoir la surprise de voir ce que ça devient. Je pense que ça restera un événement majeur pour le Qatar, mais aussi pour le golf. Car pour moi, c'est un des plus grands événements même dans le golf. Grâce aux équipes d'Alcazaba, grâce à la compétence de tous les gens qui travaillent, et grâce aussi aux nouvelles structures du Qatar qui font que cet événement est un des plus beaux, quoi.